Et yo tout le monde, c'est Kazugame et on se retrouve pour un nouvel épisode. Allez, c'est parti! Et les amis, on est en compagnie de mon futur meilleur copain, j'ai nommé Jean-Michel Descraftou. Alors pourquoi ça va devenir mon futur meilleur copain? C'est parce que il a eu une petite nouveauté. Donc maintenant, si vous parlez à Monsieur le Descraftou, voilà. Il échange maintenant de la bonne mine contre un os. Et du sucre contre de la canne à sucre. Les graines, je les jetais. Maintenant, en fait, on va pouvoir recycler les graines pour ceux qui les jettent. Alors, comment recycler les graines? C'est très simple. Il suffit simplement de mettre un coffre, un entonnoir, un composteur, un entonnoir, un coffre, de mettre les graines là-dedans. Les graines vont tomber dans le composteur. Et ils vont tomber dans le coffre en bonne mine comme ceci. Et après, une fois que ça c'est plein, on va voir notre ami Jean-Michel Descraftou. Et voilà, ça évite de jeter les graines. Moi, ça me faisait un peu mal au cœur. Alors, la poudre d'os, oui, ça, c'est utile au début pour les verrues, pour les herbes et tout ça. Mais après, quand on a beaucoup de fermes et tout ça, j'en utilise vraiment très très peu. Donc bon, voilà quoi. Mais voilà, du coup, c'est mon nouveau meilleur copain, Jean-Michel. Donc les amis, ce que l'on va faire aujourd'hui au programme, c'est que on va faire une farm à Blaze dans le Nether. Parce que pour la quête, j'ai besoin de bâtons de Blaze. Et puis même pour mon shop tout simplement. Donc j'ai été chercher un spawner et j'ai trouvé ce petit spawner là, Home Nether. Et voilà, donc on va aller aménager ce petit spawner. Donc j'ai regardé quelques tutos. Donc pour la farm, il y avait plusieurs modèles possibles. Il y avait le premier modèle que tout le monde faisait avant en vanilla. C'était le modèle en espèce de bol avec plein de pistons. Donc quand le blaze spawnait, en fait il tombait sur une plaque de pression. La plaque de pression activait un piston qui le poussait sur une autre plaque de pression qui réactivait un piston, comme ça, ainsi de suite, jusqu'à temps que ce soit rétréci à un bloc. Et après il n'y avait plus qu'à les tuer dans le bloc quoi, tout simplement. Mais bon, ça consomme quand même beaucoup de pistons, beaucoup de redstone. Du coup, j'ai cherché d'autres systèmes et je vous montrerai une fois que la machine sera construite pour vous expliquer. Donc, on se retrouve une fois que la machine, enfin, une fois que la farm sera construite. A tout de suite. Tadam ! Après pas mal de galères, j'ai enfin terminé la petite farm à Blaze. Enfin, terminé, c'est un grand mot. Voilà, j'ai fait déjà ça. Donc j'ai mis pas mal de petites entonnoirs par terre pour une bonne raison. Et la raison est... Si je vous dis Rose de Wither, à quoi ça vous fait penser? Eh bien oui, en fait, lors des quêtes que l'on va avoir à effectuer, il va falloir dropper des Roses de Wither. Donc autant faire d'une pierre deux coups. Donc ce que je vais faire dans cette farm, je vais simplement faire spawner un Wither. Et le Wither va totalement les gangbang. Alors pourquoi j'ai fait ça dans le Nether? Avant, on pouvait faire spawn les wizards sur les îles. Mais le problème est que les personnes, en fait, ne faisaient pas assez haut leur zone pour enfermer le wizard. Et du coup, le wizard glitchait à travers les blocs au moment de l'explosion quand il spawn. Et il se retrouvait dans l'île, en liberté. Et ensuite, une fois en liberté, le wizard, il vous tire dessus, tout ça. Bon, il ne cassait pas les blocs. Mais il tirait dessus, du coup il butait tous les bestiaux des personnes. Et après il s'échappait hors de la bordure de l'île, ce qui faisait qu'il était impossible de les tuer. Du coup le serveur se retrouvait avec des wizards en dehors des îles. Alors ils ont décidé tout simplement d'interdire les wizards sur les îles et de les autoriser dans le Nether. Pareil, ils ne cassent pas les blocs, donc ça rend possible les farms, voilà comme ça. Arrose, j'ai mon sable. J'ai mes trois têtes de wither, du coup on va pouvoir passer à l'installation pour invoquer le wither. Mais avant, je pense qu'il faut buter les blesses, sinon ils vont gang bang, hein, tout simplement. Non mais regardez-moi ça à la vitesse où le wither dépop les blesses quoi. Ils se font littéralement violer. Pour le coup là j'ai même de la peine pour eux, les pauvres. En plus ça rapporte pas trop mal, hein. J'ai mis le wither il y a quoi, il y a même pas 5 minutes et je suis déjà à 17 roses. Hein. Bon par contre ça donne pas de bâton de blaze, je suis un peu déçu.
Je pensais qu'on allait avoir des bâtons de blaise, mais non. Bon, en soi, c'est pas grave, hein. On va déjà remplir le coffre de Rose, après on tuera le Wither, et puis après on farmera les bâtons de blaise, c'est pas un problème. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tourner la farm là à blaise quelques temps, et je reviendrai après pour faire le vide, pour voir si ça a bien donné, voilà. A few moments later. Après 3 heures d'attente, on va aller enfin voir le résultat. Waouh! C'est vraiment pas mal, hein. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pratiquement 11 stacks de roses en 3 heures d'AFK. Donc franchement, c'est vraiment, vraiment pas mal. Alors j'étais obligé de rester AFK ici parce que tout simplement, si je retournais sur mon île, bah ça déchargeait la zone et du coup, bah ça ne fonctionnait pas. Mais bon. Voilà, ça valait le coup. Du coup, on va aller se mettre ça dans mon petit shop. Voilà. Et on va en garder, on va dire 20 pour la quête. Voilà, j'ai gardé mes 20 pour la quête. Donc du coup, je vais faire le tour des wars parce que je ne connais pas du tout le prix des roses. Donc on va voir si quelqu'un n'en vend pas pour à peu près se baser au prix. Ah, regardez, iRose en vend à 150 unités. Et il en a encore 272, donc ça doit pas se vendre tant que ça. Donc je pense que je vais mettre ça, on va dire, à 100 l'unité. Voilà. Les roses de Wither à 100$ unité. Bon, maintenant, j'aimerais bien continuer un peu mes quêtes. D'ailleurs, en parlant de quêtes, en faisant AACH list, j'ouvre ma liste des achievements et j'ai bientôt terminé l'achievement de manger 10 000 aliments. Je suis à 9773. Donc en gros, ce que vous voyez là, une fois que j'aurai mangé, c'est pratiquement 4 stacks. Et ben j'aurai validé ce challenge. Donc franchement, c'est méga long quoi. Donc du coup, pour les quêtes, je ne sais plus où j'en étais. Donc je fais slash quête tout simplement. Hop, voilà. Et là, ça me dit rapporter des items aux mineurs. Donc voilà, je devais rapporter 64 blocs de charbon. Voilà, monsieur mineur. Le forgeron te remercie de l'aide. De nouveau, indirectement, il t'offre ce cadeau. Bon, du coup, voilà ce que j'ai eu en récompense de quête. Donc, il m'a filé 3 crânes de Wither squelette. Donc, ça, c'est vraiment pas mal, hein. Si tu m'apportes 64 blocs d'or et 32 diamants, je t'offre un super cadeau. J'espère qu'avec autant d'or et de diamants, il sera vraiment super ton cadeau, hein. Bon, allez, on va aller chercher les 64 blocs et les 32 blocs de diamants. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que ça me fait mal de donner autant de diamants et d'or. J'espère vraiment que ça vaut le coup parce que là, à l'heure actuelle, avec le prix du diamant et de l'or, il y en a pour quand même 155 000 de monnaie. Donc, j'espère que ça vaut vraiment le coup ce que tu vas me donner. Hein. Merci, je ne pensais pas que tu y arriverais. Merci de ton aide. Chose promise, chose due, voici une belle pioche. Prends-en soin, j'ai un cousin contremaître dans la mine de City Cube, va le voir. Alors attention, il m'a donné une pioche, j'espère que c'est pas une pioche simplement Fortune 3 ou un truc dans le genre parce que là, ce serait vraiment de l'arnaque, hein. Bon, ouais, franchement, bon voilà, franchement la pioche, pas ouf, hein, efficacité 6, solidité 4, bon, c'est toujours mieux qu'une pioche vanilla, mais voilà, c'est pas incroyable, hein. Je crois qu'on s'est fait entuber là, hein. Lors de l'épisode dernier, j'avais fait un petit casino. Et il y avait quand même pas mal de monde qui jouait, mais il y avait peu de gagnants parce que la probabilité était de 1 sur 729. Et je dois avouer que 1 sur 729, c'est pas ouf. Bon, il y a quand même iRose et Titouan qui ont gagné, mais voilà, beaucoup de gens perdaient et rageaient. Bon, en même temps, moi aussi je ragerais à leur place, hein. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié la machine. Alors pour jouer, c'est toujours pareil, il suffit simplement de jeter un diamant. Voilà, on jette le diamant et puis bah voilà. Ça sort. Il faut toujours aligner les 3 épées. Mais en fait, quand vous gagnez maintenant, il y a 4 ou 5 jetons qui sortent. Ça va dépendre vraiment du lag du serveur. Et après, une fois que vous avez les jetons, il suffit simplement de les vendre ici à mon shop. Voilà. Du coup, je rachète les jetons 1000. Comme ça, vous gagnez entre 4 et 5000 de jetons. Ah bah voilà, il y a un client. On va le regarder faire. Voilà. Va-t-il gagner? Ah, il a mal jeté le diamant. Voilà. Bon, généralement, ce joueur vient de temps en temps, régulièrement. C'est la très bonne technique parce que il ne faut pas en jeter tout le temps en continu parce que sinon, ça vous coûte trop cher. Et si vous n'avez pas de chance, et ben, pour gagner, c'est un peu plus dur du coup. Vraiment, c'est la chance qui fait cette machine. Donc, pour la probabilité, ben, vous avez voilà, 1 chance sur 3 de gagner. À chaque fois, vous avez 1 chance sur 3 de gagner. Donc, on fait 3 x 3
x 3, ce qui nous donne 27. Donc vous avez une chance sur 27 de gagner. Donc voilà, une chance sur 27, c'est vraiment pas mal. Hein, ça me rapporte pas d'argent. Là, clairement, je suis perdant niveau money, mais bon, c'est pas grave, ça reste fun. D'ailleurs, en parlant de casino, il y a aussi Snargol qui a fait aussi un casino. Donc lui, en fait, le fonctionnement, c'est on achète ici un papier. Et quand on l'achète, en fait, ça active la machine. Et si les trois lumières s'allument, bah vous gagnez, voilà, tout simplement. Et vous gagnez 5000. Alors du coup, on va tester pour vous montrer. Donc voilà, je clique ici, je fais dans le chat 1. Voilà, ça active la machine. Et voilà, bon, il n'y a qu'une lumière qui s'allumait. Donc s'il n'y a qu'une lumière qui s'allumait, bah j'ai perdu. Mais bon, voilà. Après, faut pas le dire, mais il a un peu copié sur moi, hein. Mais bon, c'est le but du jeu, de toute façon, hein. C'est... Puis c'est un peu différent de moi, donc voilà, ça me pose pas de problème. Bon, pour finir, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ouvrir quelques coffres de vote, voilà. Donc, pour savoir le nombre de points que l'on a, on fait slash vote GUI, on fait entrer, et voilà, ici, on a le nombre de points que l'on a. Du coup, on peut acheter des clés en cliquant dessus. Donc, moi, je vais acheter, on va dire... 5 clés mythiques, allez. Donc finalement, j'ai pu m'acheter que 4 clés mythiques parce que pour acheter une clé mythique, il faut 20 points. J'ai pas eu assez de points pour en acheter 5. Une fois que vous avez acheté les clés mythiques, vous faites slash warp vote. Voilà, vous apparaissez ici. Donc voilà, voici un peu ce qu'il y a dans les coffres. Donc de l'herbe, du charbon, un peu de minerai, des fioles d'XP, un peu de money. Voilà, une pioche. Ensuite, ici, on a quelques œufs, donc poule, cochon, mouton, vache, cheval, et puis un peu d'or. Et dans le mythique, nous avons des minerais, un œuf de lapin, de l'XP, des têtes de wither, un pillard et un husk. D'ailleurs, 20 points pour ça, quand même, ça fait cher, hein, parce que c'est pas non plus incroyable. Hein. Il va falloir que TC se motive à refaire bien les coffres, là, parce que, clairement, c'est pas intéressant pour le nombre de points que ça demande. Hein. Allez, TC, motive-toi. Allez, allez, allez. Bon, du coup, on va ouvrir un coffre, hein, parce que bah, ça coûte quand même cher en points, donc on va en ouvrir qu'un. Et du coup, bah, on est parti. Alors par contre, vous n'aurez pas les clés dans votre inventaire. Hein. Pour savoir les clés que l'on a, il faut faire slash clés. Ce sont des clés virtuelles, en fait. Ça vous dit, voilà, caisse mythique 4. Donc écoutez, bah on est parti, on va ouvrir une petite caisse. Allez, en espérant avoir de la chance, c'est parti. Hop. Let's go. Attention. Et on a eu... on a eu 64 de fer. Ouais, voilà. 20 points pour du fer. Donc voilà, c'est exactement ce que je disais, hein, 20 points pour du fer, alors que ça fait quand même beaucoup de votes, hein, c'est vraiment pas ouf. Hein. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, voilà. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça fait vraiment plaisir et ça encourage à continuer. Et moi je vous dis, bah, à bientôt pour une prochaine vidéo, allez ciao ciao, bye bye, à bientôt.